Ah, Robert est là. Ah, Robert. Ouais. Quel après-midi, hein. Quel après-midi. Ébène. Noire. Fine. Belle. L'aurore. Ébène. Bolingoisa. C'est ça que cool, man. Hey, votre journée était comment? C'est vrai que le mois de mars, là, man. Ou février, là, man. On est dedans, hein. On est dans la prière. Tout simplement parce qu'on en a besoin. Tout le monde cherche l'or. Mais il n'y a que du sable. Et pourtant, on en a besoin pour construire. Ça va? Je voudrais saluer Claire, la plus jolie femme de mon enfance. C'est ça qui est cool, man. C'est ça qui est bokoban. C'est ça qui est même drosser. C'est ça qui est bokoban. Bien! Éric Landry, c'est bokoban. C'est même drosser. Il y en a parmi nous qui souffrent un peu, qui sont un peu malades. Je voudrais leur souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui nous écoutent, qui sont branchés sur nous, à ceux qui travaillent dans les entreprises, qui n'ont pas pu venir au boulot aujourd'hui parce qu'ils ne se sentent pas bien. Mais le docteur est là, le Mokozo Robert Lévy Provençal. Chirurgie plastique, hein. C'est ça que coume, hein. Ouais. Les gens disent, il dit quoi même celui-là? Parce que vous savez, quand on fait une émission, là, il y a des gens qui nous aiment, mais il y a des gens qu'on énerve. J'imagine, dans mon cause de 18h naïe. Ça c'est qui ça? C'est le Roro là encore, celui-là. Oh, zappe-moi ça. C'est comme ça. Oh. Mais quand la personne dit zappe-moi ça là, elle veut voir la personne qui doit zapper. Là. La personne qui va zapper là va toujours demander pourquoi. En lingala, on dit pour nanini. Donc, non, mais je sais pas, il raconte n'importe quoi ces histoires-là. C'est quoi ça? On souffre, nous les architectes, du temps et de l'espace, de l'imagination et de la vision. Les gars, s'il vous plaît, faites très attention au sucre. Le sucre est dangereux pour la santé. C'est pour ça que c'est bon. Là. Vous savez quoi? Les mille feuilles à 16h. Les éclairs au chocolat à 15h. Le sucre dans le café. Les sodas qu'on boit quand on mange sauce arachide, tout ça. Hey! On peut faire ça quand on a 30 ans. Mais c'est dangereux pour la santé. Faites une expérience. Pendant 15 jours comme ça, diminuez de 75% votre consommation de sucre. Vous allez voir comment vous allez vous sentir. C'est dangereux. En plus, c'est un papa na sucre même qui vous parle. Papa na sucre même. On connaît tout. Tous les parfums de glace. Je vous parlais une fois des ébrates à caramel. Je vous parlais une fois de la cerveza au citron. Je vous parlais une fois de glace aux myrtilles. Tout ça là, c'est bon, mais vraiment, c'est pas bon. C'est comme l'alcool, mais ça, comme je ne connais pas. Mais le sucre, à l'oco à 16h, gras comme ça. Avec le poulet gras, poisson gras. Après, on demande pourquoi Manu Dibango fait toujours de la musique, alors qu'il a dépassé les 80. Il y a certains qui disent que, et ça j'ai remarqué ça, les gens qui boivent le champagne, qui boivent le whisky, qui fument les cigares, qui fument beaucoup. Quand on dit fais attention à ta santé, ils disent mais Bédié en forme, non? Ça c'est leur réponse. Toi tu es Bédié? Oh oui, Shrinker. Ouais, on est là, on est là.